Répète, attention mon cœur, tu peux pas utiliser l'original. Attention droit d'auteur. Eh ben, tu peux pas non plus utiliser cette musique-là. C'est Y a-t-il un pilote dans l'avion 2? Y a aussi les droits d'auteur. Mais tu le fais exprès ou quoi? C'est la musique de la folle histoire de l'espace! Tu peux pas l'utiliser non plus! Vous savez quoi? Rien à foutre, m'en fous des droits d'auteur. Allez, on y va pour l'original! Mais ok, on spoil tout dès le début, quoi. Il serait peut-être temps qu'il arrive, là, non? Ah, le voilà. Alors, papa, t'es prêt à filmer les vacances? Je suis prêt à filmer les vacances. Attention, je déclenche l'appareil. Ouais, allez, c'est parti. Bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que papa, il est de bonne humeur aujourd'hui. Mon cœur, tu ne voudrais pas mettre mon maillot de bain dans ma valise, s'il te plaît? Avec plaisir, mon cœur. Merci. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. T'as quel générique? Voilà, le 8 août, il est 5h30 du matin. On vient nous chercher à 6h30. C'est le jour J, direction Orlando. Et nous sommes désormais le jour J. L'année dernière, c'était pas mal. On a fait des vidéos, 20-25 minutes chaque fois, c'était cool. Donc, est-ce qu'on ferait pas une suite du coup? Mais il faut aussi trouver le budget pour partir aux États-Unis. Ça marchera jamais, voyons. Le coût du voyage. Ça en fait du pognon. On vient nous chercher, on va jusqu'à Bruxelles, on va jusqu'à Francfort. De Francfort, on prend l'avion pour Orlando. Orlando, on arrive, on vient nous chercher à l'aéroport. Hotel Art of Animation, les parcs d'attractions, Hard Rock Hotel à Universal, SeaWorld, ça va faire beaucoup. Bref, c'est complètement claqué au sol comme plan et ça pourrait tourner mal d'une bonne vingtaine de manières, mais il semblerait bien qu'on parte là-dessus. Mais non, Guillaume, je suis tellement organisé que tout va se passer super bien. Bref. Pendant un temps, la famille croyait qu'on allait faire un tour du monde. Ou alors ça coûterait excessivement cher. Je suis le metteur en scène, vous êtes mes acteurs, vous faites ce que je vous demande. Arrête un peu, bon. Là. Ta gueule! Mais il est bon, bah très bien, oui. Non, on recommence. Une apprise 3. Une apprise 4. Enfin, ça fait trop de trucs pour moi, j'ai du mal. You serious? J'ai oublié. Il faut accepter les 20 minutes de changement. La prise 8. La prise 8. Va falloir payer les avions, les transferts, les hôtels. Pourquoi? Les entrées dans les parcs, les repas, les boissons. Les pourboires, le shopping, les extras et les taxes. Car aux États-Unis, tous les prix sont affichés hors taxes, pas comme chez nous. Je vais prendre ma baguette d'Harry Potter.
c'est plus un bâton qu'une baguette, non? Dis-moi, papa, les parcs d'attractions où on va, c'est vraiment les meilleurs du monde? Les meilleurs des meilleurs. Donc je remercie aussi Guillaume Cassard, le youtubeur, d'avoir encore une fois permis d'utiliser son image. Again. Again. Donc rien que pour ça, encore une fois, merci Guillaume. Jusqu'à ce que je décide de faire cette vidéo. Un vrai bonheur. Bref. J'ai tout préparé comme il faut. Bon, certes, j'ai fait quelques erreurs, mais bon, c'est normal. Bref, le projet semble être sur de bons rails. En général, c'est à ce moment-là que ça se casse la gueule. Mais non, Guillaume, ça se cassera pas la gueule, t'inquiète. À d'autres. Je bosse sur ce voyage depuis de longs mois. Et ça a été très dur de garder le secret. Bon, j'ai craqué, c'est vrai, au mois d'avril, je pense, avril-mai. Mais depuis le mois de novembre, j'ai rien dit. Mais ça a été très dur de garder le secret. Ouais. Flashback. Mais revenons un peu en arrière. Voilà ce qu'on sait à l'heure actuelle. Pas grand chose. Vous attendez pas à du lourd. On est vendredi 24 novembre, il est 5h du matin. Quoi. Petite capsule temporelle. Et on est déjà en train d'en parler en novembre 2023. Sérieusement? Vendredi 24 novembre, 15h56. Je sors de l'agence de voyage. 2023 toujours. Dimanche 26 novembre, capsule temporelle. C'est vrai que quand on parle d'un voyage à Disney World et à Orlando, etc., ça s'improvise pas mal du tout. Hein. Que par rapport au prix, par au trajet en avion, les réservations, les acomptes qu'il faut payer aux agences de voyage. Alors ceux qui veulent réserver leur truc par eux-mêmes avec internet, tout ça, machin, passer des journées entières à regarder, ça va vite me saouler. Donc nous on a essayé de partir via une agence de voyage. Ça chiffre très fort. Je m'attendais à ce que ça coûte très cher, mais là c'est très très cher. Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles. 26 novembre 2023, on part à Orlando le 8 août. 2024. 8 mois à l'avance, on y pense et on commence déjà à s'inquiéter de plein de choses. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 décembre 2023. C'est désormais officiel. C'est pour vous dire que si vous comptez faire ce genre de voyage, je vous suggère de vous y prendre 7-8 mois à l'avance. Reconnaissons-lui un certain sens de la lucidité. Capsule temporelle, vendredi 22 décembre 2023, quelques jours avant Noël. Ça fait beaucoup de sous, mais voilà, il faut le faire. Voilà. Ok, capsule temporelle, on est aujourd'hui samedi 9 janvier 2024, hier, donc le 5, on est allé faire les demandes de passeport. Plus facile à dire qu'à faire. Les passeports sont demandés, les photos sont faites, tout est prêt. 23h. On passe par la tête de faire une vidéo à 23h. C'est un délire quand même. Destination Orlando, ça se précise. Capsule temporelle, dimanche 14 janvier 2024. On a les passeports. Voilà, donc ça c'est fait. Orlando, nous voilà. Samedi 24 février 2024. Novembre, décembre, janvier, février. Donc on est le 24 février 2024 et il est 20h43. Oui, Orlando, nous voilà, ça va être grand. Mardi 5 mars 2024, capsule temporelle. Donc le budget est bouclé. Et on a pris rendez-vous vendredi pour remplir les estas. C'est, il n'y a plus qu'à maintenant, hein, donc c'est réglé, c'est payé. Nous sommes le 5 mars 2024. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 mois. Donc je suis plutôt content. Il n'y a plus qu'à. Le mercredi 17 avril 2024, on a les heures de vol. Voilà. Bon, on a fait une petite folie. Hein. On a fait un petit fast-pass pour l'aéroport. Donc voilà. Ah oui, ça c'est cool. C'est le truc qui permet de... Le gars, il y a quelqu'un qui vient nous chercher à l'aéroport avec le panneau, avec le panneau avec marqué le nom de famille dessus. Ah ouais. Les réservations pour le Disney Art of Animation. Payé, ouais. Et voilà, ça c'est pour les réservations du Hard Rock Hotel à Universal Studio. Voilà, billets pour le parc, machin, parc à thème, blablabla. Donc ça, c'est les billets d'entrée pour aller au parc SeaWorld à Orlando aussi. Voilà. Il y en a pour Noah et pour Nina, ça c'est les cartes SIM pour pouvoir appeler aux États-Unis, machin, etc. On a besoin de dollars américains. Ça en fait du pognon. Voilà, on a fini, c'est réglé. Orlando, nous voilà, dans quelques mois, c'est nous. Ah, ils vont pas s'emmerder, les deux loustiques. Août, septembre, octobre, novembre 2023. Donc ça fait depuis novembre 2023, seulement 4 mois après la fin de cette première saga de vacances en France, qu'on a eu l'idée, qu'on réfléchit à où on va partir en 2024. 4 mois après la conclusion de la saga précédente. Ils perdent pas de temps, les mecs. Hein. Chauffeur pour l'aéroport ? C'est bien ça. Ah bah quand même !
Papa, il a tout préparé, tout planifié. Yasmina, prise 2. Il a tout payé et tout négocié. Et en plus, c'est lui qui va tout filmer. Et pour ça, il faut un bon réalisateur aux commandes. Tout ça pour que de chouettes souvenirs à regarder. Pour que ces vacances 2024 restent à jamais gravées. Mais n'a-t-il rien oublié? Ça m'étonnerait, le connaissant, il a tout bien préparé. La légende raconte qu'il préparait aussi les sandwichs. Papa, Francfort, on va manger des saucisses? Francfort. Des saucisses de Francfort? Oui. À d'autres. Moi, je sais où on va. On va à Orlando. Ah, il y en a une qui a lu le scénario. Tu sais où on va? Oui, on va à Orlando. Ouais. Nina, tu sais où on va? Ouais. Ouais. Non, je parle d'ici, maintenant, à l'aéroport. Ah, là, où est-ce qu'on va? On va en Allemagne, non? Non, non, mais où est-ce qu'on va? Dans l'aéroport, maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant, dans l'aéroport? Ça, t'en sais rien? Ah, on va manger? Bah non, il y a d'autres choses à faire avant, mon cœur. Hein. Ça, rien, moi. Ah, bon. Ah, mais d'accord. Vous avez rien bité à la situation, en fait. Tu vas voir, Nina, elle va faire chier, c'est clair. C'est du sarcasme. Je dois aller aux toilettes. Bon, moi aussi. Oui, alors c'est gentil, mais la prochaine fois, faudra penser à se bouger le cul, hein. J'ai même pensé à des passe-passe pour l'aéroport à Bruxelles. Passe-passe à l'aéroport, c'est bon. Faut reconnaître qu'il a pensé à tout, c'est beau. Entre les ados qui me cassent les pieds et que tout le monde me dit comment je dois faire, quoi, qu'est-ce, comment, ça commence mal. Ça va être un vrai chemin de croix, ce voyage. La réaction normale d'un père bienveillant et équilibré. T'es là, toi, t'as cherché partout, où est-ce que t'étais? Non, mais j'ai faim. On va chercher. Je sais pas, c'est l'instant. Voilà. Dépenses de la journée. Petit déjeuner à l'aéroport. Oui. Avec ici une gaufre, un café, un pain au chocolat, un jus d'orange. Et pour Noah, un peu de brouillé avec tout ça. Le prix? 40 euros. 40 euros, d'accord. Première et dernière fois. Ouais. Un nouveau cockpit d'avion. C'est très drôle, ça. Voilà, quand vous voulez fumer, il y a deux zones dans tout l'aéroport de Bruxelles. Tout ça. Parc Astérix, c'est Toiletix. Disneyland Paris, c'était Toilette Island. Puy du Fou, c'était Toiletus. Mais comment est-ce qu'on va nommer les toilettes dans l'aéroport? Non, 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 on va les appeler Toilette Airlines. Toilette Airlines. Dans l'aéroport. Dans l'aéroport, même dans l'avion. Quand on va aller aux toilettes, maintenant, c'est Toilette Airlines. Et hey, papa, regarde, là-bas, il y a Dunkin. Bref. Je suis pas là. Portu, do kontroli. W imieniu polskich linii lotniczych LOT życzymy przyjemnego lotu. Qu'est-ce que c'est que cette voix de merde? Noah, viens un peu, s'il te plaît, j'ai un truc à demander. Noah, viens un peu, s'il te plaît. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. Tu veux, toi? Non, rien, je peux te dire. Bon, bah, je vais aller aux toilettes en attendant. Oui. Allez, viens. Je t'emmène allez, viens. Loin. Je t'emmène loin. Bon, allez, on y va. C'est la porte A45, là au-dessus. C'est parti. Bon, y a plus qu'à. Écoute, ça fait une heure que tu nous saoules avec tout ça. C'est la 43 que tu avais dit. T'es sûr? Oui, je suis sûr, oui. Qu'est-ce qu'on fout à la 45? C'est la 43. Non, oui, c'est la 43. Oh, le con. T'inquiète. Der Mike ist verladen, wir machen uns umgehend auf den Weg rechnen mit einer pünktlichen Ankunft in Frankfurt. Machen Sie es bitte bequem an Bord, genießen Sie den Aufenthalt. Ladies and Gentlemen, good morning from the flight deck, it's the captain speaking.
Qu'est-ce que c'est que cette voix de merde? Again. Jusque-là, pas de surprise. Francfort. Hello darkness, my old friend. On est à Francfort. Saucisse? Oui. J'allais aux toilettes. Dans les toilettes? Oui. Vous aussi? Oui. Toilettes Airlines. Ça c'est fait, on en parle. Je pense qu'on aura le temps d'attraper notre avion. Ce qui semble être un immense challenge, hein, on va pas se mentir. Bon, on est à Francfort, il nous reste une heure pour trouver notre porte d'embarquement dans ce labyrinthe. Pas de pression. On reste pas à Francfort, ben on va ailleurs. Ok, j'ai un scoop. Et tu sais, papa, maintenant qu'on est à Francfort, et si on allait goûter la spécialité locale? Bon, on va dire que les scénaristes étaient en grève ce jour-là. Bon, on est à Francfort, maintenant il faut trouver la bonne porte d'embarquement, c'est dans le terminal C, et on est dans le terminal A. Ça va aller. Et plus facile à dire qu'à faire. Alors Noah, t'as vu ce que tu voulais manger? Ouais. Du coup, il est content, mais n'empêche qu'il faut se bouger le cul. Eh, vous croyez qu'on va rester là, ici, à Francfort? Non. Bah non, en fait. Je peux pas vraiment dire que ça m'étonne. Bon, allez, fini de rire, faut se dépêcher, parce que l'avion part à l'heure. Il est à l'heure. Ah bah oui, avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure, hein. Oh merde, tu dois encore aller aux toilettes. Putain, t'es sérieux, là? Merci, Noah. Eh, dis, tu penses que dans le deuxième avion, il y aura de la connexion Wi-Fi? Des rails, là. Que de péripéties. On s'ennuie presque pas. Tout le monde est prêt avec son passeport, fais voir. Passeport. On va être en retard ou pas? Je sais pas. Tout le monde est prêt avec son passeport. C'est pour passer directement à la douane. Tu vois, passeport. On en a passé la douane. Et en fait, le terminal 16 à Francfort, le terminal C, pardon, à Francfort, c'est le terminal exprès pour les voyages aux États-Unis. Donc, nous voulons passer carrément par la douane. Cool, on y est. Enfin arrivé à la porte d'embarquement à Orlando. Enfin arrivé. Ah ouais, ça c'est une extrémiste. Oh là là, mais qui aurait pu le prédire? Embarquement dans un avion nettement plus gros, hein. Nettement plus gros l'avion, hein. Ah, vous êtes bien dans l'avion? Ouais, cool. À mon cœur. Mon écran, et le tien, vas-y, ouvre un peu. On sort comme ça en fait. Yes. Il y a mon écran qui va pas. Ah oui, mais n'empêche que regarde Réo, on a bien fait de réserver nos places pour avoir des places XL. Hein. Ah franchement, le pépère, hein, regarde, on a beaucoup de places plus que les autres. Regarde. Pourquoi il décolle pas ce putain d'avion? Vous avez remarqué vous aussi? On décolle. Ben, j'espère. Bon ben ça va.
dans l'avion, nous, on a bu, enfin, on a pris un jus de tomate. Et moi, de nouveau, bah écoute, Coca-Cola avec rondelles de citron et glaçons. Ouais, mais si on a des cacahuètes, ça aurait pu les payer. Mais c'est pas grave, j'ai le budget. Et toi, Nora, qu'est-ce que t'as pris? Pour le moment, ça se passe très bien. Aucune vibration, pas de turbulence. Une heure de retard. J'espère que le cas à l'aéroport va nous... Ah, tu s'attends. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Voilà. Tu dois encore aller aux toilettes? Tu veux encore aller aux toilettes? Papa, hein. Toi aussi? Bravo. C'est pas vrai, quelle surprise alors! Alors on est à la moitié, donc on vole depuis 5 heures, presque 5 heures, voilà, on a une heure de retard, mais sinon ça va. Beaucoup de bruit. C'est la moitié. Il y a toujours à la toilette. Direction Orlando. Mais ça veut pas dire qu'absolument tout est parfait. Plus on sait des toilettes tranquilles ici. Putain, on peut même plus pisser tranquille. Là derrière, vous vous régalez à vous là. Ouais. Montrez un peu ce que vous avez reçu. Ketchup. Non, il y a le ketchup et moi j'ai le reste. Non, mais montrez-moi les paquets. Ouais, enfin nous aussi. Ouais, ben j'ai craqué mon slip. 30 euros quoi. Mais bon, c'est les vacances. Eh ben, on a une grosse fringale, dis-moi. Ben voilà, non, on est parti pour 10 heures de vol. Tu vas en chier, j'aimerais pas être à ta place. Mais on croise des doigts, hein. Alors, pour les dernières heures, toi, tu es là. Nina, là. Noah, là. Et moi, je suis là. Vous serez sage. Oui. Eh ben j'aime autant te dire que ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, mon con. Mais est-ce que tu trouves les sièges Premium XL un peu plus grands? Bah oui, quand même. Hein. C'est cool, hein? Ouais. On va retourner aux toilettes. Il y va toujours au moment les moins opportuns. Eh ouais. Est-ce que ça va lui arriver d'y aller à un moment opportun? Je sais pas. Ou très 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 très, mais alors très rarement. Putain, on peut même plus pisser tranquille. C'est quand même un Airbus A330-300. 350 passagers à bord de l'avion. What the fuck? Oh bah, on approche de l'atterrissage. Ouais, hein. Ouais, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Ouais, c'est bientôt. Oh là, les frissons, c'est bientôt fini. One eternity later.
récupérer la première. Ouais. Ah, c'est sûr qu'il faut les porter, les 40 kilos, hein. Hello darkness, my old friend. Motherfucker, look at this fucking cube. Non, c'est pour ça. Look at this fucking cube. You're here for a fucking awful wait. Non, mais les dialogues, c'est de pire en pire, là. Bon, ben, notre chauffeur n'est pas là. Ça commence fort. Pas de chauffeur. On va se débrouiller. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Bon, ben voilà, on a trouvé une solution. Notre Uber qui vient. C'est Edouard. Oui, c'est Edouard, oui. C'est ici. Voilà, ok. Donc, c'est notre chauffeur Uber qui vient nous chercher pour aller à Art of Animation parce que voilà, on n'a pas eu notre chauffeur privé, mais bon. C'est mieux que rien. Parce qu'apparemment, on mérite pas mieux. Efficace. Très efficace. Chauffeur Uber, 3 minutes d'attente, génial. Efficace. Ok, on est dans la voiture avec Edouard. Hello. And this is the first. C'est le premier trajet Uber de la semaine. Bon, et eh ben c'est parti. Right now, Noah. Look at the car. Papa, on arrive quand? Ben, je sais pas en fait. Enfin si, je le sais, mais je te le dirai pas en fait. Il est comme ça, il aime bien faire durer le suspense. Police Orlando? Ouais, salut, ici c'est John McClane. Juste pour vous dire que la famille Bloomers, là, Yasmina, Nina, Noah et Nina, sont en route en ce moment même pour se rendre à l'hôtel Art of Animation de Disney World. Ils vont arriver dans quelques minutes, donc soyez prêts à les accueillir. Surtout la plus jeune, là, Nina. Apparemment, c'est un sacré caractère, donc soyez prudents. Allez, yippie-ki-yay pour vos cons. Ça se tient. Alors, on est dans l'ascenseur du Disney Art of Animation, on fera la visite demain. Hein. Parce que là, on est vraiment cassé. Je pense qu'on peut dire. On va aller dans la chambre tous, non? Ouais. Hein? Bloomers and Bush Party. Et là, c'est terrible ça. Allumez les lumières, flippez, on voit des choses. Ah oui. Yeah, it's all about.